Quelle classe choisir sur Shadowlands? Ça va être une série de vidéos qui va être découpée par rôle. Donc en l'occurrence, dans cette vidéo, évidemment, c'est au niveau des tanks où on va expliquer comment fonctionnent les classes afin que tu puisses savoir ce que t'as envie de jouer. Si t'es un gros PGM du jeu, si tu connais déjà tout de World of Warcraft, cette vidéo n'est pas faite pour toi et je t'invite à déjà partir ailleurs. On va pas parler d'optimisation, on va vraiment parler des classes, leur gameplay, comment ça se joue. Par exemple, si je te dis, quelle est la façon de mitiger les dégâts sur un moine ou sur un chasseur de démons? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses cooldowns principaux, comment ils fonctionnent? Si par exemple t'es RL assez débutant, ça peut te servir également, mais principalement à la base, c'est pour que tu puisses savoir quelle classe jouer. Si t'as envie de jouer un tank, quelle est la particularité? Comment fonctionne un druide tank? Comment fonctionne un DK tank? Quelles sont ses forces, ses faiblesses, globalement, et au niveau de Shadowlands? Donc je vais également te donner des notes afin que tu puisses voir, est-ce que c'est une classe qui DPS fort? Est-ce que c'est une classe qui tank fort? Est-ce que c'est une classe qui se soigne bien? Et quels sont ses outils de support au niveau du groupe? À la fin de cette vidéo, en tout cas, nul doute que tu auras probablement appris une petite info sur le jeu si t'es déjà pas un gros PGM du jeu qui sait déjà absolument tout des cooldowns et des façons de fonctionner de chaque classe. Je te laisse profiter. On va commencer par le chasseur du démon et on a préparé un petit document, rien que pour que tu puisses bien suivre, qui est ce document-là. Donc c'est le document qui va servir vraiment de fil rouge pour expliquer un petit peu les classes, les forces, les faiblesses et surtout que tu saches exactement à quoi t'attendre, bordel, si t'as envie de jouer cette classe. Donc voilà, si tu veux ce document, tu le dis en commentaire et je ferai en sorte de le partager. Donc, on va commencer par le DH Vengeance, le DH Tank, le beau, le grand. Évidemment, sa mobilité, elle est débile, donc tu as le double saut, t'as le jump après avoir fait le double saut, donc tu peux traverser des maps, des machins, tu vas vite. T'as deux fois la frappe internelle avec un petit CD, donc tu vas vite faire des bons, en fait, des bons de partout. T'as sûrement vu les DH Tank qui ont une mobilité de débile. C'est normal, c'est une classe à énorme mobilité. Si t'as envie d'avoir de la mobilité, DH Tank, c'est fait pour toi. Au niveau du self-heal, c'est un peu aussi une des choses qui va définir la classe. Il a beaucoup de façons de se soigner. Tu vas vite te retrouver avec un énorme HPS et tu vas kiffer. Notamment, tu as les mécaniques de base où tu vas mettre des âmes, donc tu vas avoir des âmes qui pop. Tu vas utiliser des sorts pour récupérer ta vie ou récupérer les âmes. Enfin, tu vas voir, tu as tout un gameplay autour de tes âmes qui définit clairement la classe et qui t'apporte énormément de soins. Au niveau des CD défensifs, pour le coup, là, t'as pas grand chose. Les principaux CD défensifs, ça va être un CD très court au niveau de tes pointes qui va augmenter ton armure. T'en as un d'une minute qui est une marque que tu mets mono-cible sur un monstre et tu lui dis « Toi, toi là, tu mets 40% de dégâts en moins. » À l'aise. Et sinon, t'as la forme, la métamorphe. Hein. T'es un DH, tu te métamorphoses, tu deviens badass, t'as des points de vie, t'as de l'armure et tout, t'es prêt à casser des bouches. En termes de mitigation, donc tu vois, comme tu peux le voir, il n'y a pas trop de CD def quand même. Hein. En termes de mitigation, donc ce qu'on appelle mitigation, c'est des façons de réduire les dégâts qui arrivent vers toi. De base, t'en as une avec des tatouages. Ok, t'es beau gosse, ouais, t'es un chasseur des démons, donc t'as fait des petits tatous et tout un peu partout. Et grâce à tes tatouages, tu vas réduire les dégâts que tu vas te prendre. Mais en plus de ça, sur Shadowlands, t'as un système de conduit qui va te permettre d'atténuer encore plus les dégâts magiques que tu vas te prendre. Bonjour la tria, bonjour les donjons. Tu vas te faire plaisir, donc ça réduit déjà pas mal du tout les dégâts que tu peux te prendre. Et également, du coup, tu as une activation régulière, comme je te disais, avec les points démoniaques qui sont un CD de 20 secondes qui va te faire de l'armure, en fait, typiquement. Et ça, c'est un truc que tu vas activer qui va permettre de réduire ton armure. Mais comme tu peux le voir, c'est pas si tanky que ça. C'est pas mal, ok, c'est un tank, hein. C'est un tank, ça a beaucoup de points de vie. Là, en forme de métamorphe, t'es dieu. Mais ça reste limité, parce qu'en plus t'es basé quand même plutôt sur le fait de te soigner, donc forcément derrière t'es compensé par le fait que tu prends un petit peu plus de dégâts et tes tatouages ne suffisent pas forcément. Donc tu vas pas mal jouer avec la mobilité, avec tes bons, avec le kai, t'as de barrer, dire non, barrez-vous. Donc tu prends l'aggro et à un moment, si t'as pu TCD, parce que ça va arriver, surtout sur les packs des monstres, tu vas temporiser et te barrer un petit peu plus loin. Au niveau des compétences de support, qu'est-ce qui peut apporter un DH? Il a des sigils qui permettent un silence de zone, qui permettent de regrouper tous les monstres, les paquets comme un crabe de masse. Il a un sigil qui permet de faire peur aux monstres. Il a un sigil qui fait des dégâts. Il a des sigils qui font un peu tout ça. Enfin, donc il a plein de sigils, donc des zones que tu poses au sol. Et également, il a le debuff magique. Donc c'est un DH. Donc quand il tape les adversaires, il leur met un debuff qui fait qu'ils prennent 5% de dégâts supplémentaires à la magie. En termes de PVP, c'est le meilleur tank possible que tu puisses avoir avec toi en RBG. Dans les BG à drapeau, il est complètement insane. Tu peux aller fast cap tellement tu vas vite avec tes doubles sauts, avec ta mobilité de malade. C'est super dur de le rattraper. Des fois, tu vas le voir qui vole en goulet là, qui traverse toute la map. C'est horrible. DH tank est très fort en PVP. Et en plus de ça, il peut voir le furtif.
Est-ce que c'est normal ça? Résumé. En résumé, le DH Tank, il prend cher. Voilà, ouais, c'est vrai, comparé aux autres, bah, ça reste du cuir, il n'y a pas de bouclier, il prend plus cher. T'as de la mitigation, etc. T'as des outils, mais il prend assez cher. Par contre, il a un gros soin. Donc, si t'es capable de tanker les dégâts qui arrivent et de les soigner, tu vas te mettre bien. Également, tu peux tanker avec ta mobilité en barrant des monstres. C'est également une grosse option qui est un peu sous-estimée, mais c'est une bonne façon de tanker également. Ses CD défensifs sont pas ultra nombreux, donc tu vas pas pouvoir tanker longtemps des tas de monstres sur toi, parce qu'à un moment, tu n'auras plus tes pointes. Et il te reste que la métamorphe, plus ou moins, donc bon, ça reste limité. Par contre, je te l'ai pas dit là, j'ai juste fait une colonne là-dessus. Il a un très bon DPS. C'est le deuxième tank qui fait le plus de dégâts sur Shadowlands. Il a un excellent DPS et prend des congrégations comme Kyrian. Outre le fait de te ramener des âmes en plus, tu vas agrandir ton DPS. C'est un très bon tank pour le deal des dégâts et pour sa mobilité principalement. Mais c'est également, il a quand même des outils évidemment pour tanker, tanker du raid et tanker des situations assez classiques. Moins de tank. Alors là, pareil, niveau mobilité, en veux-tu, en voilà. Une roulade, une deuxième roulade, transcendance pour téléporter à l'endroit où tu veux, enfin par rapport à là où t'as déjà mis ton TP, tornade de chi, tiger lust, t'as des trucs en talent, le monk a une mobilité de débile, t'as également des trucs qui te permettent, quand tu taunes, de te rapprocher d'un monstre, enfin t'as plein d'options de mobilité, c'est énorme, c'est un gros 5 sur 5. En termes de soins, par rapport à lui-même, il a pas mal de trucs au niveau de ses breuvages, au niveau de l'annulation, des dégâts qu'il a pris par rapport à son report, qui sont, si on veut, une forme de heal, mais je vais t'expliquer le report un petit peu plus loin. En tout cas, self-heal, correct, très correct. En termes de CD défensif, il a Méditation Zen, qui est un énorme CD défensif qui lui permet d'annuler une grosse partie de son report. Et là, c'est le moment où je vais t'expliquer le report, parce que sinon, c'est plus possible. C'est, pour moi, le vrai tank, le seul vrai tank. Toute la liste, là, tu le retires, tu mets que Moine. Moine, c'est le vrai tank. Le reste, ça n'existe pas. Pourquoi c'est le vrai tank? Parce qu'il a un système intégré qui en fait un putain de tank. C'est ce qu'on appelle le report, ou le stagger en anglais. Ça fait en sorte que les dégâts que tu te prends, tu te les prends pas vraiment. Tu te prends des dots à la place de te prendre des dégâts directs. Pendant 10 secondes en plus, bordel. Donc en gros, quand tu vas te prendre des dégâts, 100% des physiques et une partie des dégâts magiques, ça va se stacker dans ton stagger et tu vas te prendre une dot qui va faire que tu vas te prendre ces dégâts mais au fur et à mesure du temps. Ce qui évite de se prendre des gros dégâts instantanés, évite de se prendre des one-shots et fait au final que si t'as un healer ou deux healers qui te tiennent, tu peux tanker des trucs de débile beaucoup plus que n'importe quel autre tank parce que tu n'es pas soumis au fait de mourir comme ça, t'as juste ta dot sur le temps. Et donc t'as des façons de cleanse cette dot de façon plus ou moins courte mais qui est en fond évidemment un gros tank. Par exemple t'as 200 000 dégâts en réserve, tu fais plutôt 50 000 enfin bon voilà, il y a des façons de faire à ce niveau là. Ensuite t'as également des CD qui permettent d'augmenter ta vie etc, donc il a quand même pas mal de panoplie de petits CD défensifs. Et également, il a de la mitigation. Au niveau de la mitigation qu'il peut avoir, c'est principalement c'est ce stagger-là, ce truc-là. Mais il a également sa maîtrise qui augmente son esquive. Et du coup, il a également une autre façon de tanker juste en esquivant. Hop là, hop là. Ça, c'est une façon de gérer pour le moins de tank. Donc en termes de tankiness, honnêtement, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est le meilleur toolkit possible. Le report, etc. sont des outils incroyables. Il a plein de CD, plein de façons de gérer. Au début, ça peut sembler un petit peu compliqué. Mais honnêtement, c'est un énorme tank là-dessus. En termes de DPS, bon, c'est pas le meilleur, il n'a pas un énorme DPS, il se situe parmi ceux qui ont le moins de DPS, donc voilà, un DPS assez faible quand même. Par contre, en termes de support, là pareil, on revient sur le haut de la scène. Il peut contrôler une zone, il peut mettre un stun de zone, il peut également avoir accès à l'anneau de paix s'il le prend en talent, qui permet de repousser les monstres, les décaler. Il a également la statue qui permet de taunter, donc t'as juste à mettre ta statue quelque part, et tu vas faire un taunt et elle va prendre l'aggro de masse, enfin c'est extrêmement fort la statue du moine. C'est une autre façon de prendre de l'aggro de façon super simple, de façon aisée, enfin, c'est très très fort la statue du moine. Il peut également mettre un buff de vitesse sur ses alliés s'il a pris Tiger Lust, et il a un debuff physique sur les ennemis dès qu'il va les toucher. Par exemple, il met un balayement de jambe à tout le monde là, gratos, petit coup de jambe, bim, tout le monde est debuffé et se prend des dégâts physiques supplémentaires extrêmement forts. En PvP par contre, c'est pas le meilleur, il apporte rien de particulier, il est pas, il y a pas d'utilitaire particulier là-dessus. En résumé, du coup, c'est un tank très complet. Moi, c'est ce que j'appelle le tank par excellence. Pour moi, c'est le vrai tank, hein. Le tank le plus complet. Si t'as besoin de quelqu'un pour tanker, réellement, prendre l'aggro des monstres et les tanker, y a rien, personne qui fera ça mieux que le moine. Le moine est capable d'aller prendre l'aggro très facilement, à distance, il a de la mobilité, il a plein d'outils défensifs, le stagger est monstrueux. Que dire de plus? Du coup, c'est très très complet, un très bon tank.
pas forcément facile à maîtriser, mais de base, t'as des mécaniques qui t'aident quand même à tanker et à envisager le tanking et qui font que ça aide. Donc c'est un bon choix pour se lancer dans le tanking, mais t'as des marges de progression de malade en moins de tank. C'est un excellent tank, très plaisant à jouer, franchement, gros coup de cœur sur le moine tank. Le chevalier de la mort, 100. Alors la mobilité est incroyable, il peut pas être ralenti en dessous de 70%, il est beau, voilà, voilà, tu ne ralentis pas un décassant comme ça. Il a également un CD lié à ce même sort qui lui permet d'aller 30% plus vite. Il va grave vite. Voilà, bon bah du coup il a 1 sur 5, hein, comme tu peux t'en douter, il a que ça, c'est... T'as pas de charge, t'as pas de dash, t'as pas vraiment de sprint non plus, bah tu es... t'as des potions de rapidité, des potions de pied léger, c'est pas mal déjà. En termes de self-heal, bah y'a rien qui est capable d'égaliser un décal là-dessus. Normalement, il met une pilule à ton healer, mais de façon simple et aisée, il est là pour ça, il va fournir facilement plus de soins que ton healer dans le donjon, c'est normal, t'en fais pas, c'est la base de sa mécanique de survie, c'est comme ça qu'il tank, il se soigne. Niveau des CD défensifs, il a beaucoup de trucs contre la magie. Il a le bouclier anti-magie, il a la zone anti-magie, et il a également quelques réductions flat de pourcentage de dégâts. Ce qui en fait le tank, le meilleur tank pour tanker la magie. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un DK pour tanker la magie. Outre sa regen de débile, il va pouvoir absorber des tonnes de dégâts magiques, il va se mettre extrêmement bien. Quand tu veux tanker du magique, comme par exemple sur Château Natria, tu fonces le DK, il est fait pour toi. Sinon, ses autres CD, ils permettent d'augmenter son pool de points de vie, ou ils lui permettent de regen davantage. Voilà, il a des petits CD comme ça pour tanker en plus. En termes de mitigation, il a une bonne armure. Il a le bouclier d'os également, qui est une façon d'augmenter son armure et du coup de se prendre un peu moins de dégâts. Pour la magie, on l'a pu voir, il a des trucs d'absorption. Et c'est à peu près tout. Donc il n'a pas énormément de choses pour mitiger les dégâts. Il est principalement là pour les encaisser et se re-soigner derrière. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne les dégâts. Donc il a 3 sur 5, il a quand même des CD, il peut quand même tanker, etc. Donc on lui met un petit 3 sur 5 anti-tokines. En termes de dégâts purs, il a pas tant de dégâts que ça, pas plus qu'un autre, hein. Il brille pas particulièrement là-dessus, un petit 2 sur 5 du coup. En termes de support, par contre, il a des outils très intéressants. Notamment un, tu dois probablement être au courant, c'est le grip de zone. Donc il a le grip simple et il a le grip de zone. Et ça, tu peux orienter des strats de raid juste autour de ça. Tous les monstres qui sont paqués en un endroit, tu peux mettre des AOE de malade et tout, c'est trop trop fort, c'est incroyable, c'est un putain. C'est un sacré CD, donc très très fort le grip de zone. Bon, il peut également marcher sur l'eau, il peut marcher sur l'eau, voilà, il peut, et ses potes aussi, et ça c'est très bien. En PvP, il apporte rien, ou rien de particulier, à part s'il y a un patch où il est particulièrement pété, mais c'est pas le cas pour Shadowlands. C'est un tank qui du coup doit pouvoir se soigner, en résumé, il est sensible aux gros dégâts physiques, donc il est capable de mourir comme une crevette, et du coup il est pas capable de faire des très grosses clés, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'il va être limité par sa tankiness. En tout cas, voilà, c'est le cas du pré-patch. À voir ce que ça donnera avec les légendaires et compagnie sur Shadowlands. Mais en tout cas, c'est son problème. C'est tanker les gros dégâts physiques instantanés. Ça, il a du mal. Il n'a pas vraiment de quoi les mitiger. C'est limité à ce niveau-là. Et il tanque pas très bien le physique. Même s'il est en plaque, il n'a pas de bouclier. Il n'a pas vraiment de blocage, ce genre de truc. À part le bouclier d'os, il n'a pas grand-chose à cet endroit-là. Par contre, en termes de magique, voilà, là, il est présent. Si tu veux tanker du magique, tu as un bon décaissant des familles. Tu vas te faire plaisir. Le War Tank, en termes de mobilité, bon déjà il se fait plaisir, t'as une charge, t'as l'intervention vers ton pote, tu peux faire des bons héroïques qui vont à peu près à l'infini, en plus tu peux avoir des CD en plus, en termes de talent, enfin des trucs sur les talents qui te font aller plus vite une fois que t'as fait ton bon héroïque. Bon déjà t'as beaucoup beaucoup de mobilité, mais c'est quand même soumis à tes CD, c'est-à-dire que si tu fais ton bon héroïque n'importe où et ta charge n'importe où, derrière t'as tes petites pattes, donc voilà, c'est quand même à savoir, en tout cas un bon 4 sur 5 en mobilité. En termes de soins sur lui-même, il en a pas, voilà, donc bah, c'est assez simple, il peut créer un bouclier temporaire qui va absorber des dégâts, qui est considéré dans Recons comme du soin, mais en réalité il en a pas, voilà, il a pas de soins par rapport à lui-même, ou très très peu. Des fois quand tu finis les monstres, tu peux te remettre 20% HP, etc. Mais on n'a pas ça vraiment du soin, ça demande déjà des conditions, réussir à finir les monstres, etc. Mais voilà, ça ne suffit évidemment pas, donc 1 sur 5 en termes de self-heal. Par contre, en termes de CD défensif, forcément, là c'est une armure, hein, c'est quelqu'un. Déjà, il a le mur prot, il a dernier rempart, il a renvoi de sort, il a les cris démoralisants, il a également plein de CD courts de mitigation. Donc tout ça, les trucs que je t'ai cités, c'est des gros CD qui vont diminuer drastiquement les pourcentages de dégâts que tu as. C'est la grosse mitigation sous forme de CD, c'est de l'augmentation d'HP, par exemple il y a le cri de ralliement, etc. Toute une panoplie de CD qui vont vraiment le rendre beaucoup plus solide et vont lui permettre d'encaisser des gros dégâts à un moment donné. Mais en plus de ça, il a un système de mitigation active qui est très très intéressant. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du blocage. En gros, avec maîtrise du blocage, il va
augmenter ses chances de parer à hauteur de 100%, de bloquer à hauteur de 100%. Donc il va bloquer, donc tu vas tanker énormément, donc c'est des CD très courts, il faut faire attention à quand tu les as, à l'uptime que tu as, et quand tu les as pas, il faut te barrer, ou temporiser autrement, ou mettre un autre CD. Mais en tout cas, c'est ce qui va permettre de beaucoup tanker. Tu tankes extrêmement bien les dégâts physiques, c'est ce qui tanque le mieux les dégâts physiques dans tout le jeu, et également tu as accès à Duromal, qui permet entre autres de tanker également les dégâts magiques. C'est, tu utilises de la rage pour bloquer, pour avoir un bouclier qui va absorber une partie des prochains dégâts qui vont venir. Donc ça, c'est deux grosses formes de mitigation du guerrier, mais principalement il va être basé sur le blocage et sur maîtrise du blocage sur les attaques physiques. Si c'est du magique, il va devoir faire du renvoi de sort, des trucs, ou du romal, mais il va devoir les tanker réellement, il va avoir beaucoup plus de mal sur le magique. Donc du coup, c'est un 3 sur 5 en tankiness sur Shadowlands, parce qu'il y a beaucoup de dégâts magiques, par exemple sur Natria, ce qui en fait un des tanks qui est un petit peu en dessous pour le moment. En termes de DPS, c'est pas non plus extrêmement fort, ça l'a été, ça l'est pas forcément sur Shadowlands, donc on part plutôt sur du 2 sur 5 à ce niveau-là, à la rigueur 3 sur 5 s'il joue le truc Kyrian, mais dans l'absolu, il DPS pas énormément. Par contre, en termes de trucs de support, il est là. Il a le cri de PA pour augmenter l'attaque des membres du groupe. Il a le cri de ralliement qui permet d'augmenter les HP de tout le monde. Il a des boosts critiques. S'il joue Necrolord, tu poses ta bannière et tout le monde, il est grave heureux. C'est très très fort Necrolord sur un guerrier tank. Il a un fear de zone, il a un stun de zone. Son cri démoralisant, il diminue les dégâts que tous les monstres font et pas qu'à lui. Il peut également casser les immunités s'il en a envie, genre les bulles de pâle, etc. Mais bref, en tout cas, s'il y a des immunités, il peut les casser. Très très fort. Par contre, en PvP, bon, il n'y a pas réellement de grosse utilisation de niche particulière, en tout cas pas à ma connaissance, donc rien de spécial à dire là-dessus. Surtout qu'il prend cher du magique. Grosso modo, du coup, c'est un excellent tank pour le physique. Il est très fort, il est très très fun à jouer, très basé sur sa mitigation avec son maîtrise du blocage et envoi du mal, sinon tu vas vraiment pas tanker. Mais c'est excellent, c'est très très fun à jouer, grosse mobilité, il a un très bon toolkit qui demande par contre de bien le maîtriser, et il est fragile par contre aux dégâts magiques. Très très fragile aux dégâts magiques. Le fait d'avoir un renvoi de sort ou d'avoir une légendaire sur le renvoi de sort ne suffit pas à compenser tout ça malheureusement. Druid Tank, alors là, celui-là, tu vas kiffer, mais tu vas kiffer comme il faut, c'est l'amour, voilà, le Druid Tank, c'est l'amour. Au niveau de la mobilité, sa charge est sur son cut, donc si tu veux, tu peux utiliser la charge pour cut, ça marche aussi. Tu peux également en prendre une en talent, et tu as également un CD qui est très très court, une minute, qui permet de booster ta vitesse et celle de tes potes. Et sinon, tu peux également utiliser la Form Feller. Bon, quand tu passes en félin, t'es pas en ours, donc t'évites de le faire pendant que tu tankes. Grosso modo, ça va. Tu vois, genre, c'est pas toi qui as le plus de mobilité, mais ça va. T'as quand même de la mobilité. En termes de soins pour soi-même, t'as la régénération frénétique que tu peux utiliser très souvent, qui te donne un bon pourcentage de tes points de vie, et ça tombe bien, t'en as plein des points de vie. En plus, t'as deux charges, etc. Hors combat, t'as également accès à toute la panoplie des soins du druide, encore plus si tu prends l'aspect du healer, hein, l'aspect restauration dans tes talents, où t'as encore accès à plein de choses en plus, donc hors combat, t'as pas mal de choses. En termes de CD def, t'as également des gros CD def, donc t'as par exemple l'instinct de survie qui est sur deux charges, qui est un excellent CD que tu peux utiliser temporairement pour réduire drastiquement les dégâts que tu peux te prendre. En termes de mitigation, c'est principalement basé sur son armure, voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'il prend moins de dégâts? C'est le fait qu'il a plein d'armure parce qu'il est en forme d'ours, il a plein de pandis et il a faire poil. Faire poil, ça t'utilise un petit peu de rage pour monter drastiquement ton armure, et c'est surtout comme ça qu'il résiste aux dégâts. Il a plein de points de vie, il a faire poil, et il regaine avec sa régénération phénétique. Et il a également un bonus de soins grâce à sa maîtrise. Donc en gros, il va recevoir plus de soins. Sa façon de mitiger les dégâts, c'est de les recevoir, et après de se re-soigner parce qu'il a des bonus de soins et tout dessus. En termes de tankiness, du coup, on est sur du 3,5 sur 5. C'est un bon tank, globalement, pour encaisser des dégâts. Il est là. Voilà, il est présent. En termes de DPS, ça reste assez faible. C'est pas incroyable. En termes d'apport de groupe, il a du coup son cri pour booster la vitesse de tout le monde. Il a un stun mono-cible. Il a surtout un rest battle. Et ça, c'est très, très, très fort. Qu'il peut caster en forme d'ours. Il peut également dispel les enrages des monstres. Il peut dispel la malédiction sur ses alliés. Il peut dispel les poisons. Et il a également un cri qui va faire un espèce de fear, un cri incapacitant. Donc déjà, il a pas mal d'outils. En PvP, il est ok, il peut être furtif, etc. Donc t'as des plays que tu peux faire, et globalement, en forme d'ours, il va bien tanker. Et donc, en résumé, c'est un gros sac à HP qui peut modérément soigner et qui peut tanker facilement. C'est le meilleur tank pour débuter, c'est le tank le plus basique. Il a des CD, ça va réduire les dégâts qu'il se prend. Il a beaucoup de points de vie, il a beaucoup d'armure. Les CC sont pas compliqués à utiliser, c'est vraiment le tank pour débuter par excellence. Très très simple.
très 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 simple à jouer. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Si tu veux débuter le tanking, Druid Tank c'est excellent. Tu vas faire peu de faux pas. Tu vas bien te débrouiller. À part si tu démorphes et que tu n'es pas en forme d'ours, grosso modo ça va aller. Ses CD offensifs sont pas très compliqués non plus. C'est vraiment sa force, c'est qu'il représente le tank dans toute sa splendeur et sa simplicité. Pas le tank. Alors là, on a accès à plein de mobilité, on a accès au palefroid divin qui est le cheval. Sur 45 secondes de cooldown, tu vas pendant 3 secondes comme si t'étais sur un dada et t'as la main de libre. Voilà. Donc évidemment, ouais. Pas beaucoup de mobilité hein, sur notre ami le pal. Donc 1 sur 5. En termes de soins à lui-même, bah, il peut se mettre son mot de gloire sur lui-même qui leur donne beaucoup de points de vie. Il a également l'imposition des mains et en gros, il peut également se soigner et soigner son groupe. Donc il a accès à pas mal de choses. Il peut se soigner également hors combat avec des éclairs lumineux et ce genre de trucs. Et le seul souci, c'est que s'il choisit d'utiliser des mots de gloire, il fait pas ses boucliers du vertueux et c'est sa façon principale de mitiger des gales. On va en parler juste après. Mais grosso modo, il est capable de se soigner fort et bien. Donc 4 sur 5 à ce niveau-là. En termes de CD défensif, il a Ardent Défenseur, ça c'est incroyable. 2 minutes de cooldown, tu réduis les dégâts que tu te prends et en plus ça fait un shit death. C'est un trompe-la-mort sur un tank, bordel. C'est-à-dire que si tu devais mourir, en réalité, bah tu meurs pas. Voilà, salut. Est-ce qu'il faut en dire plus? Non, je pense pas. T'as également la Bénédiction des Anciens Rois qui est une énorme réduction de dégâts que tu peux utiliser avec un gros CD. Et en termes de mitigation, il a avec l'aura de dévotion, donc déjà il peut réduire un petit peu les dégâts qu'il se prend. Au niveau de sa consécration et de sa maîtrise, il va réduire encore une fois les dégâts qu'il se prend. Et sinon, il a son bouclier du vertueux qui est sa façon principale entre guillemets de dépenser de la puissance sacrée et qui va lui faire des boosts d'armure. Donc ça lui fait déjà trois façons majeures. Il a également un bouclier, il est en plaque. Donc voilà, il a quand même des trucs. En plus de ça, il a un bonus de parade en fonction de sa stat de critique. Donc clairement, il a beaucoup d'outils pour mitiger les dégâts, pour tenir, pour être présent. On va lui mettre un 3 sur 5 à ce niveau-là parce que évidemment il y a mieux et ce qui fait que le paladin est très fort, on va y venir tout de suite et tu vas voir pourquoi paladin tank c'est aussi fort. Déjà DPS 5 sur 5, c'est celui qui envoie le plus de DPS sur Shadowlands, ça fait extrêmement mal, il y a des légendaires qui tombent bien autour. Il éclate, des fois j'ai déjà vu des logs de raid, il était deuxième hein. Ça fait très très mal, Paltank fait extrêmement mal. Au niveau de support de groupe, du coup il a déjà toutes ses bénédictions qu'il peut mettre, la liberté, la sacrifice, la protection. Il peut également soigner ses alliés, il peut également dispel, il a un stun, il a un double kick, il peut... Il a tellement d'outils pour le groupe, c'est monstrueux. C'est un gros support pour le groupe et ses mots de gloire, c'est limite des impositions qu'il met à chaque fois aux gens. C'est très très fort. Et c'est ça qui différencie le Paltank des autres tanks, c'est que lui, ses outils, il peut en utiliser un bon paquet sur ses potes. En termes de PVP, c'est à la fois un tank, un DPS et un healer. C'est extrêmement fort et ça peut être très surprenant et très frustrant de tomber contre un Palprot. Mais crois-moi, ça casse des bouches, ça fait mal, ça tank, ça soigne à mort. C'est horrible. C'est très très fort en PvP un Paltank. En résumé, du coup, c'est un tank assez complet qui te demande de faire attention à ton groupe et pas qu'à toi-même. Parce qu'une grosse partie de ton toolkit, tu peux l'utiliser sur ton groupe et c'est ça qui fait que c'est un tank compliqué. C'est que c'est pas un tank où tu utilises que toi, mais tu dois prendre en considération l'ensemble de ton groupe et ça, c'est next level. C'est pas forcément évident à l'utiliser de façon intelligente. Et en plus, c'est le plus gros DPS à l'heure actuelle des tanks sur Shadowlands. Que demander de plus ? Et ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça t'a été utile, que t'as kiffé. Je vais faire des déclinaisons évidemment pour healer, DPS distant et DPS corps à corps. Donc n'hésite vraiment pas à me faire tes retours, est-ce que c'est cool, est-ce que le format est bien, est-ce que... Voilà, est-ce que c'est cool, voilà. N'hésite pas en tout cas à me dire tout ça, à me dire également quel est le tank qui te hype le plus. Je pense qu'en regardant la vidéo, t'as vu moi en tout cas quel est le tank qui me hype le plus. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite sur plein d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Tchou.